Comme un miroir brisé, passé sous une échelle ou rencontrer un chat noir, la chouette porte la poisse. Par bonheur, la chouette est un rapace nocturne. Vous avez donc peu de chances d'en croiser une lors de vos excursions diurnes. D'ailleurs, si vous voyez, ou plutôt si vous croyez voir une chouette en plein jour, alors c'est que ce n'est pas une chouette. Il faut savoir que la chouette mange des rongeurs qu'elle recrache ensuite sous forme de boulettes, autrement appelées pelotes, et qui ressemblent en fait à des crottes de lapin géants. Il faut savoir que la chouette, comme son cousin, le hibou, ne s'attaque pas aux hommes. Condamnée à la nuit et réduite à ne manger que des rats, la vie de la chouette est moche. Malgré tout, elle offre un visage aimable et souriant à la vie. Elle regarde le monde avec lucidité, ses gros yeux lui faisant voir des choses que nous ignorons. Des choses que nous ne voulons pas savoir. Des choses, toutes sortes de choses. Bien sûr, dans un premier temps, il ne serait pas trop question de bouger. Et surtout, il faudrait ne rien faire. Éviter de sortir pour ne pas s'exposer aux rayons du soleil. Le soleil étant notre ennemi. Les ultraviolets accélérant le vieillissement de cette peau si tendre, belle et unique, lisse, fraîchement recousue, mais fragile, tellement fragile. Nous serions devenus timides. En 15 jours, personne ne pourrait se vanter d'avoir été témoin de nos errances. Nous voudrions partir, nous enfuir, loin, très loin. Nous voudrions des nuits interminables. Les coins sombres et les ruelles obscures nous seraient comme autant de refuges, des caches nous permettant d'échapper à l'humiliante curiosité que nos rares apparitions n'auraient pas manqué de susciter. Tout nous serait contre-indiqué. Pas d'alcool, adieu les plats épicés, pas d'émotions fortes, évitez le chaud, évitez le froid, et surtout, pas de tabac. On a raté le début. Écoute, Déborah. Arrête, George. Tu sais, Déborah. Je sais, George. C'est Jean-Pierre qui te l'a dit. Oui, il m'a dit. Il m'a tout dit. Je le tuerai. Arrête. Arrête quoi? De te toucher les mains. Tu ne m'aimes plus. C'est Jack qui te l'a dit. Ouais. Je le tuerai. Sexe, chess et trahison. Combien de choses ont été faites en leur nom. L'amour triomphera à la fin. Si on fume une cigarette. Ouais. Mais quand même, l'envie de fumer. On a beau savoir que c'est la cigarette qui ruine le teint et qui fait tomber les dents. Quand on ne pense plus qu'à fumer. Et quand on pense à toutes les cigarettes qu'il faudrait fumer pour être aussi détendu que possible. Peu à peu, chacune de nos cellules retrouverait sa place. Elle se réorganiserait, s'harmoniserait, pleine de vitalité, dynamique, redonnant à nos organes et à nos visages l'élasticité qu'ils n'auraient jamais dû perdre. Je n'étais pas faite pour vieillir. Ça ne me plaît pas. Ça ne m'arrange pas du tout. C'est quelque chose dont je ne voulais pas parler, mais quand même, il faut que je le dise. La vie pourrait être si simple et si belle, puissante,
calme, majestueuse. Bref, nos journées passaient comme ça, sans sortir et sans cigarette. Puis Jeanne est rentrée de vacances. Salut. Vous êtes encore battue ? Tu vas avoir de nouveaux parents. Des parents plus beaux, des parents différents. Mais en attendant, Jeanne s'ennuierait. Le matin, elle refuserait d'avaler ses tartines beurrées touchées par nos mains. Elle nous demanderait de sortir de la cuisine et refuserait d'avaler ses céréales, sous prétexte que nous nous serions forcément un peu penchés dessus. C'est quoi ça ? C'est de la peau. Vous déconnez ? Elle mange. Pour lui changer les idées, nous lui ferions visionner la cassette vidéo de notre opération. Tu vas voir. La séance du montage nous transporte directement au bloc opératoire. Ça va, pas trop peur ? Ça va. En fait, l'anesthésie rend confiant. Quand on est anesthésié, on voit tout d'un autre œil et on peut, par exemple, se faire redessiner les paupières. Comme ça. Des bouts de paupières nous sont délicatement ôtés. On nous débarrasse de ces quelques millimètres de peau qui attristaient nos regards, nous donnant des airs tristes comme un dimanche, des têtes de lendemain de fête. Là, maintenant, c'est l'os de la mâchoire. Il est raclé, il est limé, et ce qu'il y avait de grossier en lui progressivement s'estompe. On nous affine. Lentement, l'os diminue, sur la joue droite, puis sur la joue gauche. Le bas de notre visage est maintenant mieux profilé. Nous perdons ces mâchoires trop visibles qui nous rapprochaient de l'homme préhistorique. On nous recoue. Il faut voir l'aiguille rentrer dans la peau puis en ressortir. C'est le meilleur moment. Mais ça, malheureusement, Jeanne ne l'a pas vu. Elle était déjà partie, nous laissant seuls avec tous nos souvenirs. La caméra tourne encore. On nous voit toucher des bandes qui nous protègent le visage. Quelque chose a changé. Ce qui a changé, c'est nous. Et peu à peu apparaissent ces traits neufs. Ses yeux sans pattes d'oie et ce sourire bizarre, cet air perpétuellement triomphant posé sur nos visages absolument lisses, qui aurait maintenant et jusqu'à notre dernier jour l'éclat du renouveau.